Maxime Guyon prend une sérieuse option sur ce championnat avec une troisième victoire. Maxime, vous l'avez fait avec la manière. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a eu une super course. On a pu se mettre à la corde et tout s'est ouvert et le cheval a bien gagné. Bravo. On va vous laisser vous préparer pour la course suivante parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et vous nous l'aviez dit hier, on avait eu l'occasion de se parler, que c'était une belle chance, un début pour Paladin et un début en fanfare. Absolument, Fanny. Très satisfait que j'ai pu faire gagner un cheval qui court pour la première. Et d'ailleurs, on a eu à le bousculer pendant le... On n'était pas entièrement, d'être bien franc avec toi, entièrement, mais on savait que, comme dit l'anglais, his class will carry him. Puis quand on a Maxime Guyon en selle, ça donne un petit peu de confiance aussi. Absolument, absolument. Maxime, enfin, de quoi qu'on ne le présente plus à Maurice, le départ qu'il a pris sur ce cheval-là, sans le bousculer, il a pu se placer in the box seat. Et on savait qu'à partir de là, la course était gagnée. Bravo à tous, l'équipe de Paladin, the winner of... 90% à Maxime, 10% à l'écurie. Je pense que c'est peut-être un peu plus, on va rééquilibrer. En tout cas, bravo à toute l'équipe pour avoir donné une troisième victoire à Maxime Guyon, une sérieuse option sur le championnat.